Nuzze le parole e terre. Non ce le parole e terre core. Non ce le parole. Les Pouilles, un paysage singulier du sud de l'Italie. Réputée pauvre, cette région aux confins de l'Europe a longtemps été laissée pour compte. On commence à peine à la redécouvrir. Les terres rouges des Pouilles. Pour quelques sous, vous l'avez quitté, ce paradis. C'est ainsi que le chansonnier Tonino Zurlo s'adresse à tous ceux qui ont été forcés d'émigrer pour nourrir leurs enfants et les envoyer à l'école. L'ensemble historique, la Cupina, est un des projets de restauration des Franchini. Leur tâche consiste à rendre le trullo et les bâtiments annexes habitables. Aujourd'hui, ils ont rendez-vous avec le maître d'œuvre Francesco Cardone et un spécialiste des trulli. Dès que Franco arrive, on monte et on regarde ce qu'on peut faire. Il faut qu'il nous donne son avis. Maintenant que la consolidation est terminée, quels travaux va-t-on entreprendre cet automne? On fera les installations sanitaires. D'accord, les fondations et le vide sanitaire. En tout cas, au niveau des poutres, tout va bien maintenant, plus rien ne bouge. Là aussi, tout est bon, on a séparé la partie ancienne de la partie récente. Ici, il y a de la terre. C'est le remplissage de la voûte. On la couvrira plus tard. C'est peut-être dommage, sa couleur est tellement belle. À propos, il faudrait prélever un échantillon de ce vieux rose pour essayer de le reproduire. Ensuite, on pourrait repeindre les parois à l'éponge. Cette couleur est vraiment splendide. C'est le résultat d'un mélange de plusieurs couches. Ah, voilà Franco. Franco Zaccaria est un trullaro, un spécialiste en matière de trulli. Sans ses conseils avisés, un tel projet serait irréalisable. Il faudra plusieurs mois pour remettre en état ce trullo vieux de 200 ans et l'adapter aux normes de sécurité actuelles. Chaque construction, même la plus simple en apparence, a son caractère, sa vie propre. On arrive à décrypter un lieu par ce qu'on ressent. Et par l'expérience. Oui, par le regard aiguisé par l'expérience et la mémoire. Une fois que l'on a saisi l'esprit d'un lieu, on peut décider ce qu'il faudra laisser tel quel et ce qu'il faudra changer. C'est de notre responsabilité de rendre à chaque bâtiment le respect qui lui est dû. Ce n'est pas la peine de rechercher l'extravagance, car ces bâtis ont déjà leur propre originalité. Regarde comme elles sont usées par la pluie. Tu as vu comment elle est taillée? Celles de Loco Rotondo sont plus compactes. Oui, parce qu'elles sont taillées dans des blocs. À l'époque, on les ramassait directement sur le terrain.